Ma Mission TV, le miroir du monde. Donc Kitty, tout le monde a responsabilité, ils ont partagé. Il y a Liboso, ils ont responsabilité, il y a Bissoba Koumbi à Kinshasa. Nous avons une courtoisie, ils ont la caté. Nous avons un côté local, nous avons un côté local. Il y a mis balé, manque de signalisation. Donc la signalisation, ils ont été à la Kisabatouke. Ah ouais, tellement on a le Kisabaninga. Ils ont été à Misato, Makambu à Banzela, Banzela, Boukana, Boukana, tout ça, 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 Ozanga pour prendre en charge la police ou Azosala Moussalawan. Nous autres, nous avons des gens qui ont commis les athées, qui ont commis les athées. Quand nous avons des gens qui ont piégé, nous avons payé 1000 francs, après nous filmer, nous avons des gens qui ont été sacrés. 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 Oh, police, il y a des gens qui ont été sacrés. Nous avons des gens qui ont été sacrés. Non, mais c'est pas document, la police, au fond, il y a des gens qui ont été sacrés. Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal
vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Temple Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremple Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo. Chez Tremple Royal, Kano Kakae. Collègue,
Après,
Enfin du changement. Fatih Béton. Le vrai changement est là. Je le vois. Ça fait 3 ans que je suis là au Congo. Ça fait 3 ans que je souffre dans la route. Maintenant, la police fait du bon travail. Depuis 2 semaines, ici où il y avait toujours des embouteillages, la police gère très bien. Voilà le travail de notre président. Fatih, je te félicite. Plein de bisous. Madame, c'est-à-dire que les autres restent là. Ministre Gaston, le chef de l'Occendé, et le bonheur, commandant de la ville, général Sylvano Kassongo, et le bonheur Sensei, toujours sans couleur, pour la confère, pour la confère.
propriété. Ici, la discussion, c'est... Les gens stationnés ici, vous avez ici, il n'y avait plus d'embouteillage. Les dames qui sont qui chargent, tu vois, on bien. Alors, c'est ce que voilà. On va gagner cette accessibilité. Ici, parce que là, nous venons, vous trouvez qu'il n'y a pas d'embouteillage, parce qu'ils savent que nous venons. Là, les véhicules tournent là, tout le monde. Parce que le problème, c'est que nous ne devons pas nous limiter au constat. Nous devons être en mesure de présenter des pistes de solutions. On constate simplement, mais qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pratique. On propose que dans des voies secondaires, qu'on trouve des espaces de stationnement à l'intérieur, pas sur la grande chaussée. Il y a plein d'espace ici. Mais je vois que c'est plein là. Et communication.
Mais juste devant, si vous allez là devant, il y a un social. Les gens s'arrêtaient là. Et de l'autre côté, je vais vous montrer, de l'autre côté là, les véhicules stationnaient là-bas. Mais comme il y a eu relâchement, eh bien, les gens stationnent là. Comme conséquence, il y a l'embouteillage. Mais moi, j'ai proposé, Excellence, que ici, on ne pouvait pas manquer le fait de signalisation. Ça pouvait être là, de l'autre côté, ça pouvait être ici, ça pouvait être là. Dès qu'on a l'effet, il y a la possibilité de réguler. On ne va pas créer l'embouteillage à ce stade. Tellement qu'un grand rond-point comme celui-ci, il n'y a pas d'effet de signalisation. Si la police est distraite, ne fût-ce que pour une minute, c'est tout. Et même la police va se fatiguer. Dans le sens que le monde a le s'il y a cette culture là et qu'on empêche Bango va. Comme il y a des gens, en général, moi je pense que c'est pour ça que la police est placée en Yamoulou. Dans la lettre, il y a un peu de temps. Thank you.
les populations et deux côtés, ça veut dire excellent, ce que nous faisons aussi, le civisme routier, où nous recyclons les pommes de terre gratuitement. La Saint-Père loue les salles, car c'est patronné par. Le problème que nous avons ici, nous aimons trop la gratuité. Voilà. Alors que ce qui est gratuit a toujours été minimisé. Voyez ça. Tout ce que vous faites là, aujourd'hui, si l'État impose, il y a un séminaire maintenant, 20 dollars de participation, tu vas sentir un caractère contraignant. Un caractère contraignant. Ils vont venir. Parce que tant que vous êtes là, vous allez aller là. Deuxième élément, mon général. Comment le problème est un peu résolu. J'ai dit un peu résolu. Pourquoi un peu résolu? Parce que nous sommes là. Oui, parce que nous sommes là. Ils ont la capacité. Je ne suis pas spécialiste. Il y a quoi que le départ est à côté. Par exemple, le soir, tu vas te faire un peu permettre que tu te fasses un peu. C'est comme si le feu fonctionne. À la même vitesse. Deuxième élément. Ceux qui te le cas à Baramoto. Je ne sais pas quelle mesure qu'il faut prendre là-bas. Parce que voilà ce qui est bandit et il dit à côté. Parce que si on règle comme ça, ça permettra que, net va heure de pointe, il y a le Natongo. Vous allez voir que les gens ont les faits là. Et ça, ça vous avez raison, Mme. Vous avez affaire de marquer ça. Thank you.
Oh, my God.
faire un bon Dans le temps, on était en train de réfléchir comment faire un petit parc quelque part au coin. Mais le sérieux problème qu'on avait connu, c'est un carrefour raté. Et ça cause des sérieux problèmes quand les véhicules doivent traverser de part et d'autre. Ces ratés-là fait qu'il y a d'abord beaucoup de bouchons, beaucoup d'accidents et ainsi de suite. Il faudrait revenir avec l'OVD bien sûr. Pour voir comment d'abord créer un carrefour, parce que le carrefour n'existe pas. Voilà, et c'est dès là qu'on peut placer maintenant l'effet de signalisation. Au Timbola, d'ailleurs, il y a Sel et Zaka moins que Yannikolo. Bah, Timbola à partir, il y a Kuno. Banzela, ils ont mis Balezo ou ta vie, ils ont Salaboy. Et au-dessus, on fait faire autre chose.
on peut faire autre chose. Même elles à la même parking, même elles à la quelque chose local à mall. Oui, mais malheureusement, mais on ne peut pas le faire. Ça. Mais si on ne peut pas le faire, oui. Il ne faut pas que l'hôtel de ville, parce que l'habitude est le goyo, de son côté en gros, parce que quand ils sont en train de construire là, côté l'habitude, ça ce n'est pas le problème d'ici et au-delà de l'hôtel de ville. Non, c'est l'hôtel de ville qui est en train de travailler. Non, l'hôtel de ville arrange maintenant. Mais le carrefour est raté depuis que cette tronçon ou ce point a été construit. C'est un carrefour raté. Donc, on ne peut pas comment le passer. Il faut réclamer le passage. Mais s'il faut une étude profonde, c'est quelque chose que j'avais beaucoup étudié. Oui, on a étudié. On a étudié. Il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de. Mais enfin, la population qui a fait le transport, et puis vous verrez, Excellence, vous verrez que quelque part au coin là, quand les véhicules viennent comme ça, ils veulent traverser. Ceux qui veulent aller comme ça, ceux qui veulent aller, ils sont perdus. Le Premier ministre a assigné à son gouvernement la mission d'assumer une gouvernance de proximité. Nous sommes à l'écoute du peuple congolais et lorsque nous considérons la circulation routière dans la ville de Kinshasa, il y a un problème crucial de mobilité et de fluidité de cette circulation qui pose le problème d'embouteillage et de pouvoir en souffre énormément. L'écho est arrivé jusqu'au niveau de la haute autorité et voilà pourquoi le Premier ministre avait réuni tous les intervenants dans le secteur, en commençant par la vice-primature chargée de l'intérieur et de la sécurité, en passant aussi au ministère d'État, au ministère des infrastructures et des travaux publics et aussi au ministère des transports, voies de communication et des emplois. Finalement, c'est au niveau du ministère de transport, voies de communication et des enclavements, qu'il est revenu la tâche de coordonner le travail de repérage de tous les points chauds de la ville de la province de Kinshasa, de travailler avec toutes les structures qui interviennent dans ces secteurs. Ici, j'ai cité la CNPR, la Commission nationale de prévention et sécurisation de sécurité routière. Il y a aussi le groupe d'études de transport. Et cela, comme je dis, une gouvernance de proximité. Nous sommes aussi à l'écoute des représentants légitimes du peuple. Donc les députés élus de la ville-province de Kinshasa ont aussi élevé le ton qui a été entendu par le chef de l'État. Et voilà le déclenchement de toute cette opération que nous faisons. Alors aujourd'hui, nous nous sommes employés à sillonner la ville-province de Kinshasa, à repérer le point chaud, le point noir qui occasionne l'engorgement de la ville et les embouteillages que nous déplorons pour prendre des dispositions qui s'imposent. Donc le travail continue après ces repérages. Nous allons mettre sur pied un plan stratégique pour nous permettre de décongestionner les chassins. Et ici, à ce stade déjà, je me sens dans l'obligation de faire chapeau bas à la police nationale à travers la branche de circulation routière. Nous sommes ici avec le commissaire provincial de la police qui a barré un travail très appréciable. Et déjà, il avait mis sur pied un escadron qui permet aujourd'hui d'amorcer ce travail. Nous avons le devoir d'appuyer ce qu'il fait. Et nous allons faire d'abord rapport au Premier ministre pour savoir quel type de prise en charge nous pouvons envisager pour des solutions pérennes. Donc, à ce stade, je dois vous rassurer que
dans cette philosophie de gouvernance de proximité, les hautes autorités du pays sont préoccupées par la conjoncture de la prévention et circulation routière dans la ville de Kinshasa afin de garantir la fluidité et la mobilité aisée de nos populations. Ma orientation est à Tata Mokonzi, président de la République. Gouvernement est en bas mis na mboka Jean-Michel Samalukonde. Toujours qui mokan yako assurer au Tobengara le poto gouvernance de proximité. Aux ala pene pene penza la population congolaise neti a ona kisasa koyo ke la bakino na nyoso bazali komona neti kokoso na bomoi na bango ya mokolo na mokolo. Les lots et ali expérience ya transport. Embouteillage et l'équipe Mingi na katia ville à Kinshasa. Bakinoa, merci ba beleli Mingi. Toyoki Pembela, ya ba honorable député élu ya Kinshasa, de premier ministre. A Salaki réunion, pour réunir ba intervenant nyonso na secteur, ya circulation routière, ko bandana vice primature chargé de l'intérieur, bokomo na kena katia délégation na biso, ba konzi à la police pe ba ali na katia. Bango ba dépendre ka bongo na ministère vice-primature chargé de l'intérieur de ali na bandeko ya ministère d'état chargé des infrastructures de ali pe na bandeko ya hôtel de ville de Kinshasa awa na kati ya délégation na biso bo ko constater que ministre provincial ya transport ali pe elongo na biso et total a kipe ba démembrement nyonso ya ministère des Transports, voie de communication et des enclavements, la Tanganda Kisa, CNPR, Commission nationale de prévention et sécurisation routière, le Tanganda groupe d'études et transports. Nous sommes sur l'automoyali, qui est concerné par le problème et l'embouteillage. Les lots de déploiement et l'Iboso sont identifiés et le poto est point noir. Bisika nini embouteillage et la kamakasi. Toye bape kososola. Pona nini na bisika wana embouteillage et la kamakasi. Bongo na sima toye ba ko propose. La premier ministre, ba solution et sengelie ko kakozoama po bikambo na embouteillage et ko kakozala allégé mobilité. Donc ko tambola ya ba kinoa et ko kakozala na ndenge moko ya kimia na apaisement nyonso. Tali déterminé ya ko ba msala yango tina soko. Na kobaki sape que na tourné au Tosali to constater à solo que ba kondipe à la police ba ali ko sala musala o esengeli to ko ka ko encourager na ba condition difficile ba si ba sali déploiement et c'est que ta la siko pe biso to ye ba ndenge min to ki ko sunga bango parce que to ko ki ka ka ko senga ka ba devoir ko pe sa ka ba devoir na la police certain sans qu'on puisse à bango faciliter à cause de ça la bango dengue le gobani. Donc c'est aussi une question il y a responsabilité d'État au yo na sali chargé il y a qu'on transmettre na bakondi à Mboka d'Akisa na premier ministre Mokonzi Samaloko. Sur l'exemple vous pouvez aussi voir comment elle a été mandatée par le gouvernement national. Moi c'est que nous avons tout compris. Vous savez que Kinshasa est une métropole, beaucoup de problèmes. L'état des routes aussi ne sont pas bons. La police fait ce qu'elle peut faire. Hein. Nous essayons de nous démerder pour que les gens puissent circuler librement. Il y a les problèmes de chauffeur, les gens qui se comportent autrement, qui ne veulent pas respecter le code de la route. Ces gens-là, nous leur disons que la police ne va pas baisser les bras. On va continuer à mettre la pression sur eux. Bientôt, il y aura des fourrières et des panels pour prendre tous ces gens-là et les clés, les mettre quelque part. Comme ça, ils vont payer des amendes. Vous savez que la police, c'est un service général des recettes. Nous avons des assignations budgétaires que nous devons réaliser. Au-delà du travail de la sécurité, nous sommes aussi là pour réfouler un peu les caisses de l'État. Merci. Ce constat ressemble à tout à l'intérêt chaque jour, qu'on accompagnait l'excellence des ministres des Transports, dans la paix, mais tout ça, tout ça. Oui, mais ça, c'est déjà pour Kapoumene, le président est belé, pas tout est belé. Oui, c'est aussi ça, c'est aussi l'harmonie, tout ça, la force, de façon que tu as un tambour là. Mais tu sais qu'on n'a pas chauffeur, tu as un chauffeur. Tu as besoin de respecter le code de la route, tu ne peux pas respecter le code de la route. Pas l'amdabande, la bande, pas contre la façon contrainte, sinon.
On va remercier le ministre des Transports et des Communications, son Excellence Chérubin Okende, qui a permis à quelques députés nationaux de la ville de Kinshasa de faire le parcours pour mieux comprendre l'asphyxie dans laquelle est plongée la ville de Kinshasa par les embouteillages. Et je pense que nous avons pu déceler quelques problèmes, les problèmes de parking qui font défaut dans la ville province de Kinshasa, le mauvais stationnement des engins, bien sûr. Donc voilà, et je pense que nous allons essayer de trouver, bien sûr, une solution à notre niveau, voir comment proposer, bien sûr, un changement au niveau, pourquoi pas, du Parlement congolais. Donc, Napesi, merci beaucoup, la ministre à Transport et Communication, Ngolabiso Chérubin Okende, à Bengisi, quelques députés nationaux, mais élus à Kinshasa, au total Molanae dans 4 circonscriptions, on s'allie Mohamba, Lukunga, Tchang, Nafuna. Au moment là, par exemple, Ngaï Nafuna, nous avons un problème à Balabala et Beleza et Rubeba. Le coup là, aujourd'hui, il y a venu victoire au moment là, Mabulu et Leki, Makassi. Et ça, ça crée des embouteillages. Au moment là, Balabala qui moins, c'est ça, Balabala, Mouroya, Malamou. Mais ils allient, par exemple, totalement détruits, délabrés. Au moment là. Alors, il faut rapidement, dès le gouverneur à Villa Kinshasa, OVD, à Kourosal et Sabiso, Topomou Salabalabalawana. Donc, la victoire, c'est une avenue principale aux Omona et aux Anaïta Wanati. Donc, voilà, je remercie en tout cas mes collègues députés nationaux. Je remercie aussi le commissaire provincial de la police de la province de Kinshasa, mais aussi les amis du CNPR et le ministre provincial des Transports. Voilà. Merci. Merci beaucoup, madame. Comme mon collègue venait de le dire tout à l'heure, je tiens d'abord à remercier son Excellence, monsieur le ministre des Transports, son Excellence Chérubin, parce que nous venons là de lancer un grand défi qui est celui de résoudre ces problèmes liés à la circulation de notre population. Vous savez, ces problèmes d'embouteillage, ça amène beaucoup de problèmes sur la capitale. Ça met les gens dans des conditions telles qu'on ne peut plus se sentir de mieux vivre à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un défi que nous sommes lancés. On ne va plus se plaindre, en fait, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, nous allons proposer des solutions. Donc, d'ici là, nous allons nous asseoir avec le ministre provincial, avec le CNPR, le ministère national, la police nationale. Et on va aussi inviter le Parlement. Donc nous allons faire notre part. On va aussi demander à ce que la population nous accompagne. Parce que si vous remarquez, le grand problème se trouve au niveau de la population. Ils font des étalages là où il ne faut pas le faire. Ils parquent là où il ne faut pas le faire. Je crois que comme ça, on ne peut pas résoudre le problème lié aux embouteillages. Donc nous lançons un appel à toute la population de respecter les orientations de la police. Ce n'est que comme ça que nous pouvons ensemble changer cette situation liée aux embouteillages. Donc, Napesi, merci Mingi, la ministre à Transport, voie de communication, parce que Awa Touti pour lancer défi Mounene aux les alliés la possibilité de faire embouteillage. Le défi wana to possible sa yango biso mon côté et sengeli que population na biso ba accompagner biso. Population ba accompagner ministère, population ba accompagner la police parce que madame to sali constat biso nyoso que population bazo sala ba étalage place sengeli ba tekate ba chauffeur bazo garé place sengeli ba garété alors nyoso wana ils ont créé ba embouteillage oyo ils ont commis sa biso na état ya koloba que
ça ne fait plus beau vivre à Kinshasa. Donc je pense que Soki Bango d'abord va accompagner Bissot Toko vaincre ou bien Toko résoudre des figoyos pour se lancer. Donc Toko Senga na Bango Nyonso, Bato Samibeko, ça c'est très important pour Elongo Toko Kako résoudre un problème pour les alliés dans l'embouteillage. Merci. Oui, ma collègue n'a pas dit, et là on a coupé ça. Exactement. Ce qui gouvernement va se pencher dans le cas de l'embouteillage, ils sont des moutons, là, on s'est dit. C'est nous, députés, c'est quoi on a été associés. Yami Balé, le ministre, a sa moto, on a vu sur la dessin. Donc, à sa moto, il y a eu du terrain, madame. Donc, Kiti, tout le monde a la responsabilité, ils ont partagé. Il y a Liboso, ils ont la responsabilité, ils ont combiné à Kinshasa. Nous avons été courtoisie et la cater. Nous avons été courtoisie et nous avons été courtoisie. Il y a un manque de signalisation. Donc, la signalisation est à la tête de 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 la bukana de la tête 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 la tête de la police de la tête la tête de la tête de la tête de la tête de la tête. Quand Abisso a demandé qu'on piège, on a payé 1000 francs, après on a filmé, il y a quelqu'un qui s'est cassé. On a payé, sans maîtrise, on a payé un total, on a payé un total. Non, responsabilité à partager. Et là, on a dit qu'on a dit que nous devons vivre, nous devons vivre. Nous devons d'abord la courtoisie, ceux qui ne sont pas, nous devons payer le chapeau. Je sais que la police a pris une décision. Il faut qu'on combatte ceux qui ont. Pour que nous puissions faire des choses quelque part, pour que nous puissions faire des choses. Pour éviter que nous puissions faire des choses, nous devons faire des choses. Parce qu'avant, nous avons quitté la police, nous avons un sens inverse, donc un sens interdit. Nous avons un sens interdit. Donc, bref, les amours sont là, et nous avons un sens qui s'engage au monde, et nous avons un sens. Et ça, pour nous sensibiliser, il faut tout tamboler. Tout tamboler, dans le Kunga, na changu na funa pe na moramba ezande pona kotala ko résoudre jamais ko mona mboka muto azo sala 4 heures de temps na bouchon et bouchon wana bouchon moko de ba responsable. Merci. Et je vous remercie pour cette Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés
au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort est le nôtre. Sous Kanama Solo, chez Tremplin Royal, Kano Kakae. Ma mission TV, le miroir du monde.